quand on est comme ça avec le drapeau, on doit vraiment se recentrer, être à 100% sur le moment présent, se concentrer. Quand je rentre dans le cercle pour un concours, je dis toujours, ok, maintenant je suis là, moi et mon drapeau, et on fait qu'un. C'est pas un drapeau, un bout de bois, un bout de chiffon et moi, c'est vraiment le drapeau et moi qui faisons presque une danse ensemble, si j'ose dire. C'est un peu le yoga tai chi suisse. Quand on fait des mouvements amples et lents, c'est aussi un rythme un peu méditatif au bout d'un moment. Un peu une symbiose qui vient. Je sais pas si j'arrive à expliquer parce que c'est vrai, déjà toute petite, j'étais très très attachée au folklore. Le premier CD que j'ai voulu que mes parents m'achètent, c'était Le Rendez-Vache de Bernard Romanens. Ma première collection, c'était toutes les cartes postales qui étaient reliées à la Suisse. Je demandais à maman de les acheter, j'avais une collection de toutes ces cartes postales, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, mais je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. C'est clair que quand je suis devant 200 corps des Alpes en train de lancer le drapeau et que tu sens le sol vibrer des corps des Alpes et que tu lances le drapeau, tu représentes ta patrie, il n'y a pas plus beau. Il y a les 13 étoiles valaisannes qui se reflètent dans les yeux. Non, c'est vraiment magnifique. Et puis, je ne saurais pas expliquer vraiment cette sensation que c'est de pouvoir représenter un peu son canton, son pays. C'est une fierté. Quand on parle du lance-drapeau de mes chèvres, les deux moitiés de mon cœur sont déjà rassemblées, c'est déjà bon. J'adore les chèvres, c'est mon animal préféré. Elles ont leur caractère bien trempé, donc quand elles sont pas d'accord de suivre, elles vont le dire. Et puis quand on n'est pas juste avec elles, elles vont aussi le dire et dire stop, je veux plus. Elles sont super curieuses. Ouais, j'aime bien me définir en tant que chèvre. Non, j'ai pas mal ce caractère aussi un peu sauvage et tout ça. Et puis j'aime bien aussi leur esprit de gambader un peu partout. Et aussi parce que c'est mes amis, donc partir en voyage avec ses amis, c'est cool, c'est chouette, c'est une belle expérience. Youfui! Ciao! Mon projet, il est assez atypique pour une fille de 16 ans. C'est de partir du Simplon jusqu'au Grand Saint-Bernard à pied, faire 244 km à travers l'école alpin avec deux chèvres, donc Valet et Valis. Ça fait depuis le mois de septembre l'année passée que j'ai commencé à y travailler, préparer les cartes, les sponsors, tout ce qui est travail de préparation du matériel, préparation physique, préparation des chèvres. Puis maintenant, je sens que ça a vraiment arrivé. Je me sens hyper heureuse et puis j'attends plus que le départ, vraiment. Valet, Valis, c'est deux êtres qui sont super importants dans l'équipe. Valet, c'est vraiment le boss de l'équipe, quoi. C'est lui qui nous montre un peu le chemin et tout ça. C'est vraiment. Je sais que je peux poser ma confiance sur lui sans souci. Et Valis, lui, c'est un petit peu mon porte-clés, on va dire. Mon petit pot de colle, mon enfant, je sais pas, mais. Il a vraiment toujours les mêmes états d'âme que moi. Et ouais, c'est vraiment chouette avec lui et puis. Enfin, avec les deux. Oh, c'est encore plus pratique pour moi comme ça. Alice, à toi. Oui. Si je devais dire une idole, Heidi, elle est pas mal comme
point de vue de qui j'aimerais être. La liberté, la montagne, les chèvres. Je crois que depuis toute petite, j'étais vraiment baignée là-dedans. Ça a toujours été une passion pour moi. Ouais, j'aime bien Heidi. Tourne, tourne, Isa. Tourne. Tu peux pas comme ça venir. Mais là, je suis pas assez lourde. Hein. Oh, mais elle serait maintenant en place, ça va. Trop légère. On change de couteau ou pas? Non. C'est bon. Sinon c'est trop court. C'est... Je l'ai jamais vue comme petite fille. Personnellement, j'avais à cœur de lui donner le côté petit garçon. Pas garçon manqué, hein. Mais de lui apprendre ce qu'un papa apprend à un garçon parce qu'elle en aurait peut-être besoin plus tard. Plein d'or, plein d'or, là, 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 là. On lui a transmis notre savoir, tout ce qu'on pouvait, on l'a laissé faire, souvent peut-être un peu plus que ce que d'autres parents font dans la moyenne. Dès qu'elle pouvait à peu près marcher, on la laissait faire. Et puis le slogan, c'était plutôt « Débrouille-toi, fais. Si tu n'as, au cas où, si tu n'y arrives pas, tu nous demandes. Et tant que tu y arrives, tu ne demandes pas, tu fais. Et après, on verra ce que ça donne. Et si tu es coincé, on est là. Si tu n'es pas coincé, ben, tu n'as pas besoin de nous. Fais ta vie. Apprends, teste, expérimente. » Point de vue éducation, notre image, c'était toujours un grand parc avec du barbelé autour. Tu sais où sont les limites, et ils sont clairs, et ils sont piquants, et ils sont désagréables et douloureux, mais tu sais où ils sont, et ils sont toujours au même endroit, et dedans, tu as toute la liberté que tu veux. C'est peut-être aussi ça qui a forgé une partie de son caractère. J'ai rien fait de spécial. Ça, tu as rien remarqué? Non. Donc, on va aller voir tout ça. Hein? J'ai rien fait de spécial. On verra ça. Donc, on va essayer de la sauver de là. Fin d'exercice. Tu remets le capot, tu prends quand même. Le capot. Je comprends le capot. Ouais. Doucement. Oh, oh. Ouais, non, mais elle roue libre. Ouais, mais bon. Évitez de se casser la gueule avec. Tiens, tu prends la fourche ou le capot, là, les deux. Je prends. Non, mais le capot, ça te sert à... Non, non, c'est bon. Oui, mais tu t'en mets plein de graisse. J'ai déjà de la graisse partout. Bon, tu fais comme tu veux. Les grosses tensions familiales, c'est pas dans les foins. C'est inévitable. Et puis, Zaline, bah, c'est une perfectionniste. Donc, elle, sitôt que ça va pas, mais c'est de tout temps, hein, déjà à l'école, sitôt qu'elle venait avec une mauvaise note, ça veut dire un 4,5-5, elle était presque en larmes et elle essaie de nous le cacher. Donc c'est vrai que si sitôt que quelque chose ne fonctionne pas, c'est le gros stress pour elle. C'est quoi qu'un... Les boulons, ils sont... Il y a tout qui est foutu, elle perd son huile de hydraulique et tout. Ok. Ouais, ok, pas bien, ok. Mais j'ai rien fait de spécial avec cette machine. Non, 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 bah... Tu dois aller au milieu de la remorque, Isa. Non, je vais avec Isa, il y a... Non. Attends. Isa, en bas de la remorque. T'as plus de force. Comme ça, tu peux tenir les jambes. Quand j'ai reçu mon enfant dans les bras, ce qui m'a terriblement marqué, c'était ce regard d'Isaline qui était tellement particulier. J'avais l'impression que c'était le regard, pas d'un ancêtre, mais d'une généalogie complète, d'une humanité complète, et qu'elle avait le savoir de l'humanité dans ses yeux. C'était un enfant qui voyait tout, qui voyait les énergies, qui voyait les êtres de la nature,
ce qu'aujourd'hui on appelle les êtres élémentaires, le petit peuple, enfin voilà. Et elle les voyait comme moi, je vois autour de moi, comme je vois une maison, comme je vois un arbre. Elle les voyait tout aussi bien. Donc il y avait une lecture parfaite de ce monde de l'invisible. Le masque pour Dame Ding, Lisa. Attends, je lui donne déjà l'homéo et puis après on... Ouais. Depuis toute petite, mes parents m'ont vraiment appris le respect de la nature, de ce qui nous entoure, des animaux, des minéraux, du végétal, de vraiment de chaque être et âme qui nous accompagne, en partant du principe qu'on doit tous se respecter entre nous pour que ce soit une harmonie complète. Quand j'étais petite, j'étais super bizarre, hyper atypique. Je vivais ma vie à fond et puis j'étais vraiment à part de tout le reste, vraiment. Et puis du coup, j'arrivais à l'école puis je disais, vous savez pas ce que j'ai vu ce matin. Il y avait un géant là avec un dragon devant la maison, c'était trop bien et tout. Et les autres, c'est ça, mais ça va, Isaline? Et ils acceptaient pas ça. Et puis ben, des enfants qui ont peur, ils réagissent pas à la violence. Et du coup, ça a dégénéré comme ça. Ouais. Quand Isaline est rentrée à l'école, ça a été une vraie catastrophe. Elle s'est confrontée à une société avec des bordures de trottoirs très serrées, avec une ligne de conduite à avoir. Elle est arrivée dans un monde très cartésien, finalement. Et elle est arrivée avec son monde à elle. Et c'est arrivé à des situations complètement abracadabrantes plus tard. Ça l'a amenée jusqu'à avoir ses deuxièmes dents cassées, elle a nos troisièmes dents maintenant. Parce que des enfants lui ont pris la tête et lui ont tapé contre un mur en ciment jusqu'à que ses dents se brisent. Elle est arrivée souvent avec des coups et des blessures et je sais qu'elle ne nous a pas tout dit. Il y a un petit bout de bouc. Il y a un petit bout de bouc. Un petit bout de bouc. Encore des câlins. Oh là là. Tu viens avec. Je comprenais pas du tout ce qui se passait au début. J'étais à mais pourquoi? Je comprenais pas leur réaction. Et puis après, j'ai commencé à nier totalement tout ce qui était ésotérique, être élémentaire et tout ça. J'ai eu la période où je faisais le caméléon. Donc à la maison, je faisais genre que j'y croyais et tout ça. Je mettais le masque de ce que mes parents voulaient. Et à l'école, je mettais le masque de ce que les autres voulaient. Et puis quand j'étais seule, j'étais vraiment perdue. J'étais à bon, bah, ouais, je sais pas qui je suis. Et ça, c'était vraiment compliqué à gérer, de comme ça, toujours changer de caractère. Et ça, c'est vraiment... C'est pas une bonne chose à faire. Et puis vraiment, il faut éviter de faire ça, parce que c'est vraiment... Ça blesse plus qu'autre chose. Et ça laisse des énormes cicatrices encore maintenant. Peut-être pendant le trekking, ça pourra se régler. J'aurai du temps pour plus travailler sur moi. Mais j'ai remarqué que j'ai juste fermé la porte, mais il n'y a encore rien du tout qui est réglé vraiment. Et que ça me blesse encore énormément. Donc ça, il faut que j'apprenne à guérir et puis à passer à autre chose. Mais oui! Tu vas trop glisser avec les souliers.
Donne celui-là. Donne. Isa, je te les envoie, tu les mets près de la porte. Je sais que je suis maladroite, hein. Merci. Tu m'engagerais pas pour adouer ton drapeau, hein. Avec un peu d'entraînement, oui. En tant que parent, pour nous, ça a été beaucoup, beaucoup de tension à la maison. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais absolument pas casser Isaline. Donc, je voulais pas briser son être sensible, son âme, son esprit, son alignement au nom de l'école. Donc, c'était extrêmement, extrêmement difficile et on l'a vécu de manière houleuse, on dira. Il y a eu un moment très difficile pour mes parents et moi. C'était avant que je parte au collège à Brigue. Parce qu'à un moment donné, je l'ai fait un peu comme une fuite de partir à Brigue. Je sais pas, à un moment donné, dans ma tête, il y a tout qui se mélangeait. C'était un peu difficile. Je pense entre la pression de l'école et tout ça, il y avait trop de choses. Et puis, c'est plus une fuite maintenant. C'est un équilibre que j'ai trouvé entre là-bas et ici. Le lancer de drapeau m'a permis de me trouver un peu une revalorisation, de sortir un peu de ma bulle de sauvageonne, on va dire. Pour une fois, j'ai pu m'exprimer dans quelque chose que j'aimais vraiment, sans me cacher et devoir dire « ouais, je fais ça pour les autres ». Avec l'ensemble de drapeau, j'ai trouvé vraiment un groupe où on est tous super attachés à nos racines. Et c'est génial, parce que je peux enfin partager avec des gens cette passion et ce qui fait vibrer. Nee, meer exploderen, Slentje. Ja. Exploderen. Wunderschön. Genau. Heidi ist eine Kunstfigur, aber Isaline ist mehr. Das ist nicht nur Show. Sie lebt das wirklich. Sie lebt das Fahnenschwingen, sie liebt das Fahnenschwingen, sie liebt ihre Ziegen. Und alles, was sie liebt, das liebt sie von Herzen. Also das spürst du bei ihr sehr stark. Vorne anschwingen. Anschwingen, Stecher. Länder, Unterschwung. Ja, wir haben eine spezielle Verbindung. Und das habe ich vom ersten Moment an gespürt, als ich Isaline zum ersten Mal gesehen habe. Sie hat einfach so etwas sehr Spezielles in ihrer Art. Sie berührt die Menschen mit ihrem Wesen, wie sie ist. Sie hat auch mich berührt und auch ihre Geschichte hat mich berührt. Und eigentlich eben allein mit zwei Geißen, das ist auch wieder etwas, was Isaline auszeichnet. Das ist 16 Jahre und macht drei Wochen nur sie alleine in der Wildnis. Und das ist schon etwas, das man zuerst machen muss. Aber sie hat die Kraft, den Willen und auch den Ehrgeiz, das zu machen. Bravo. Très bien. Je sais ce qu'elle va vivre, je sais ce qu'elle va découvrir. Je sais les connexions qu'elle va renforcer. Ça me fait presque pleurer parce que je sais ce qu'elle va découvrir. Et je crois que même elle n'en est pas consciente. Merci, c'est gentil. Ciao, ciao. Et elle s'offre ce cadeau. Mais je sais que de la laisser partir en tant que parent, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire aussi. Donc voilà. Et d'élèves m'ont dit t'arriveras jamais à rien, de toute façon la société tu trouveras jamais ta place et tout ça. Et pour moi c'est aussi un peu une preuve de montrer que j'arrive à faire quelque chose. Tout le monde devrait croire à ses rêves et puis les réaliser. Et puis il n'y a personne qui est nul, il n'y a personne qui est incapable de faire quelque chose.
Et il faut y croire, il faut y aller, il faut foncer dans la vie. Au revoir. Ciao. Ciao. Squatte. Yo, merci. Trois fois merde. Hein. Oui, oui. T'es jalouse, c'est ça. Tu me permets pas parce que je pars. J'ose pas dire ce que je pense. Trois fois merde. Hein. Ouais, bonne chance et puis profite en fond surtout. Oui, t'inquiète. Ouais. Hein. Merci, Joe. À bientôt, pas pleurer, ça va aller. Ça me fait aussi quelque chose. Joe. Ciao, ciao. Et je suis complètement tarée de faire ça. À 16 ans, je sais pas ce que je fais là. Je sais pas, je serais bien aussi peut-être avec les copines au bord du lac de Gironde en train de manger une glace, ce serait aussi pas mal du tout. Au lieu que me crever à monter des pentes pas possibles avec mes chèvres. Mais je me dis que c'est un cadeau énorme de la vie. Et puis si j'ai eu la motive d'organiser ça et tout ça, c'est que ça devait arriver maintenant et que j'étais prête aussi. C'est après moi, dans la vie, il n'y a rien qui est un hasard. Je dirais pas que c'est écrit en avance qu'on va vivre, avant qu'on arrive sur Terre, mais on a des apprentissages à faire. Et que du coup, par rapport à ça, la vie nous amène des moments cadeaux un peu des jokers. Puis après, on les prend ou on les prend pas. Mais si on a la chance de les prendre, il faut en profiter un max. Non, chut. Non, hein. Non, Non, chut. C'est bon. Non, ça va ou bien? On va juste aller avant que ça se bagarre. Ouais, sois gentil, ces copines, hein, venez. Ouais. Non, non, viens. Non, non, viens. Merde. Là, par contre, je sais pas comment faire. Ouais, ça j'avais pas prévu. On va descendre et puis traverser la rivière, puis on verra ce que ça donne bien. Si je suis, ma foi, ben voilà. Viens. Allez, viens.
Viens. Viens là, viens. Viens. Allez. Viens. Viens là, viens. Allez, viens. Viens là, viens. Allez. Et bien. Voilà. Valet. On va faire autrement. Voilà, hop, allez. Viens. Viens là, viens. C'est bien, allez. Viens là, viens, allez. Alice. Je suis super contente, ils ont relativement bien marché, mais ce que je suis inquiète, c'est qu'ils ont de la peine un peu à manger. Et ça, du coup, c'est le pire qui puisse arriver. Donc, il faut vraiment qu'ils mangent. Parce que sans manger, ça va, on va pas aller très loin sur le périple. J'ai l'impression que là, ils se posent beaucoup, beaucoup de questions. Et vraiment, des fois, ils me fixent comme ça en mode, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quoi ton but? Où c'est qu'on va? Pourquoi tes énergies, elles sont comme ça, pas 100% comme d'habitude? Je suis aussi un peu nerveuse pour la suite. Et puis, du coup, tout ça, ils ressentent et je sens vraiment qu'ils me demandent. Et puis, voilà, lui qui est vraiment le chef et qui est une chèvre qui est très réfléchie. Là, plusieurs fois, en montant le premier col du Bichtiné Pass, plusieurs fois, il s'est arrêté, il m'a vraiment fixé en mode « Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis ça, il faut que j'essaie de leur faire comprendre. Et ça, c'est aussi mon rôle en tant que chef de troupeau, entre guillemets. C'est beaucoup d'observations, regarder leur mimique, regarder essayer de comprendre ce qu'ils pensent. Et puis regarder comment est-ce que je pourrais améliorer leur confort pour la nuit, comment est-ce que je pourrais les motiver un peu plus à manger et tout ça. Ça a toujours été un peu mon refuge, la montagne. C'est un endroit, c'est tellement beau. Chaque endroit, chaque vallée a une autre identité. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et puis, ouais, entendre le vent qui passe entre les rochers, ça, c'est, ça fait vibrer, ça met les frissons presque. Ouais.
putain, il me remet, ça pue. Putain, valise. Valise, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 valise, viens. Viens, valise, viens. Allez, mon gros, viens. Pilou, ça va, allez, viens. Valis, il mange pas. Et ça, c'est le pire truc parce que s'il mange pas, du coup, il perd l'énergie. Donc, il est fatigué. Et quand c'est comme nous, quand on est très fatigué, on mange pas non plus. Quand à un moment donné, on est tellement fatigué, on n'avait plus la force de manger. Et c'est un cercle vicieux. Et puis, je veux pas que ça lui atteigne à sa santé après pour le futur non plus. Les entraînements que j'ai faits, ce que j'ai pas pensé, c'est que je les ai toujours faits dans un endroit boisé où ils étaient un peu à l'abri du coup des regards et tout ça. Et quand on dort comme ça dans les alpages, il n'y a pas de, vraiment de protection pour eux. Et du coup, je pense qu'ils sont plus vulnérables et à ça, j'avais pas pensé. Super. Salut les becroquettes, qui êtes? Ich bin jetzt auf dem Trekking mit den Geißen, also Walle und Wallis. Weißt du, von Simplon bis auf Grand Saint-Bernard. Und ich bin gerade auf dem Gibitum-Pass und ich wollte in Wispetermin kommen. Und ich wollte einfach dich fragen, ob du kennst einen Ort, wo die Ziegen schlafen könnten, weil sie wirklich müde sind und einfach einen Stall oder so, wo es Heu gibt und so. Merci vielmals, tschüss, einen schönen Tag. Salut Rebecca, es ist wieder Isaline. Ich wollte einfach dir wieder rufen wegen der Wispetermin. Merci, tschüss. Allez, s'il te plaît, Yamine. Ouais, c'est bien, Pilou. Viens boire un petit coup. Les gamelles, peut-être. Bon, tu dois boire, Valet. T'as rien bu encore depuis hier. Depuis hier matin, t'as rien bu, Valet. Super, et puis valise. Allez. Allez, valise, venez. Il y a de la belle herbe, regardez ça. Non, non, Loulou. Non, Loulou, viens. Mange-moi. Valise. Valet, valise, venez, on y va. Allez, hop. Allez, debout. Allez, yop là. Yop là, allez. C'est bien, Pilou. C'est bien.
Ja, zieh du, ja. Ilou. Non, je te jure, c'est le bon chemin. Promis juré. Viens, Valise. Oui, bah tu passes à côté du caillou. Valise, c'est vraiment l'expression de mon état d'âme. C'est un peu mon miroir, en fait. Et c'est vrai que des fois, à certains moments, j'ai juste envie des fois de me relâcher aussi et dire, oh, je fais comme lui, là, je suis fatiguée. Et après, je me dis, non, mais on y va maintenant. Ja. 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 Hey, hier geht es besten Dank. Aber er ist zugemacht. Ja. Und dann müsst ihr gleich umlaufen. Ja, tipptopp. Und dann die Treppe, den Bereich. Mhm. Und so rauf drauf. Das ist wirklich nett, merci. Dort haben wir die Becken. Ja, tipptopp. Les loulous, on va dormir au sec, au chaud, avec du fond et tout. Yes. Viens, Valé, viens. Allez, Bibaou, viens. Allez, viens, moi. Valise. Ah, la pilou. Ça, c'est vachement cool. Ah, là, je suis heureuse. Je sais que mes chèvres, elles vont bien dormir. Qu'elles ont à manger bien assez. En plus, c'est de la super qualité, ce foin. Ils sont super bons. Du coup, là, je suis heureuse. Puis, je sens aussi que les chèvres, elles sont posées. Et puis, ils ont de l'appétit, les deux. Donc, ils mangent à fond, à pleine bouchée, ce foin. Donc, ça, c'est génial. Demain, vous avez tout fini? Ouais. Hein. Ça requinque, hein? Ouais. Tip-top. Je sais aussi que je vais pouvoir dormir au chaud, ce soir. Ça, c'est cool aussi. En haut, au Kibitum Pass, j'ai pris une baffe dans le moral un petit peu. J'en avais marre. Je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment de la peine de le faire, en fait? Qu'est-ce que je fais vivre à mes animaux? Pour moi, c'est comme mes enfants, un petit peu. C'est, du coup, j'aime pas les voir quand ils commencent à être fatigués, qu'ils commencent à peiner et ça. Moi, ça me fait vraiment super mal au cœur et puis j'aime pas du coup les faire continuer à marcher. Après, re-questionnement maintenant, c'est savoir si on va vraiment aller jusqu'au bout de ce que j'avais prévu vraiment ou bien on va quand même un petit peu raccourcir. On verra comme ça. C'est un sacré lâcher prise pour moi qui suis une personne qui aime bien que tout soit programmé, que tout soit bien droit, un peu à la militaire. C'est peut-être mon côté un peu suisse-allemand. Mais j'aime bien que tout soit bien organisé, que je sache où c'est que je vais dormir, comment ça va se passer, par quel chemin je vais passer, quels sont les dénivelés et tout ça. Et puis là, bah, ça m'oblige de totalement lâcher prise et puis me dire, bah, on vivra ce qu'on vivra. C'est bon, tu l'as eu? Ouais, c'est bien. Oui. Let my eyes keep on roaming as you look the other way. In the end, you know I'm not going, so it just stays. Je fais pas comme hier. Valet, valise, on y va. Allez, hop, hop, hop. Ouais, c'est bien les pilous. Allez, les gamins.
haven't heard a word I've said. Just rehearse lines that you fade. Quand on se balade juste avec un gros sac à dos, généralement les gens échangent de caractère avec toi et ils disent « Ah, celle-là c'est un peu une aventurière et tout ça, elle est cool, qu'est-ce que tu fais, tu vas où ?» Et puis là, avec les chèvres, c'est encore autre chose parce que ça apporte une notion un peu de retour dans le passé, on va dire. Tak wohl. Schönen Tag. Merci. Jürgen. Et puis ça, c'est super cool, ça me fait aussi plaisir d'amener un peu de rêve aux personnes, les rappeler un peu leur enfance et... Je trouve ça super chouette. C'est bien, là, mais super. C'est bien, c'est bien. Allô. Wir suchen jetzt einen Ort, wo wir schlafen könnten mit den Ziegen. Haben Sie eine Idee? Geht's da runter? Ja. Warte mal, ich komme. Ja, geht's. Tipptopp, merci. Tipptopp. Ja, hallo. So, ich hätte... Sprichst du Dialekt? Ja, ja, ein bisschen, ja, ja. Ich würde über, sonst kann ich dir zeigen. Ja. Postmann 1 ist, sind Wegweiser. Ja. Er hat Zimmer und nebenan hat es ein Gebäude, der hat ganz sicher so einen Stall für die Geiss. Ja, ja, geht. Ja, aber ob ich noch? Ich komme dir noch zeigen. Ah, geht, super. Merci vielmals. Das ist wirklich nett. Okay. Ja, mal schauen. Ich habe irgendwo etwas gesehen. Instagram. Ja, genau. Ja. Ich probiere ein bisschen auf Instagram posten, was machen und so. Ja. Ja, ja, ist abgeschrieben. Ah, ja. Postman 8. Aber der hat Bed and Breakfast zum ja. Beispiel. Ja, okay. Und vielleicht hat er eine Möglichkeit. Komm doch mal da fragen. Ja, tipptopp. Ja, merci vielmals. Schönen Tag noch. Ade, merci. Ciao. Non, non, c'est pas pour vous, j'ai pas besoin de ça. Non, non, pas encore en tout cas. Ja. Und ich wollte fragen, ob Sie einen Ort hätten für dieses Nacht für zwei Geister. Sie sind da vorne. Ah, oh, ja, ja, das geht schon irgendwie. Da hinten ist mir jetzt ein Impfschlag. Das wäre wirklich super nett, mega nett, weil es regnet und Sie haben nicht das so gern. Ja, das Problem ist, jetzt sind noch zwei Schafe da. Und ja, warten Sie einen kleinen Moment. Wo sind ja, die ja. Ziegen jetzt? Die Ziegen sind da. Ah, okay, okay, okay. Die Ziegen sagen, besten Dank. Okay, super. Oh, das wird, ja, drei Wochen, ja. Drei Wochen? Ja, aber okay. Also, wir sind von Ziblon gekommen, jetzt von, vor drei Tagen. Und am Anfang habe ich gesagt, wir gehen bis auf Grand Saint-Bernard. Also das werden 18 Etappen. Und auch ich hatte gesagt, ja, wir gehen dann auf Gspon, Sassfee, dann, dann auf Grächen und so. Dann mit dem Wetter haben wir gesagt, ja, wir machen den Fischbettermin hier und so. Ja, das ist auch interessant, immer wechseln und schauen mit dem Wetter und so. Gegen. Und sind da immer die gleichen Geister mit, oder? Ja, immer Walle und Wallis. Ja. Selber geht zum Museum mal, Jürgen? Ja, sicher, Garo. Wow, es ist so schön. Ja. Wow. Oha, das gefällt mir so 1000%, wirklich. Es sind einfach so alte Sachen hier aus der Region. Vor allem, was wir hier aus dem Haus rausgeräumt haben, wenn wir das hier renoviert haben. Wow. Und dann habe ich noch viele Sachen von meinen Eltern dazu. Ja. Getan. Ja. Das ist wunderschön. L'ancien temps, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Wenn ich kleine war, wollte ich immer in Ballenberg arbeiten oder so. Oh, ja, also, ja, ja. Ich liebe so, so viel die alten Sachen und voll Geschichte und so. Ja, ja. Von wo kommt er? Das ist, hat meinem Grosspapa gehört. Ja. Das ist. Um Schaf zu suchen auf der Alpen. Ja, genau. Und Geißelin vielleicht. Ja, ja. Und wilde Tiere. Und ja, alles Mögliche. Der Wolf vielleicht. Avant, s'il y avait une coupure d'électricité ou n'importe quoi, coupure d'eau, ce qu'ils n'avaient pas, ils arrivaient à se débrouiller, quoi qu'il se passe. Et puis maintenant, si on a une coupure d'électricité, le monde s'effondre. Et je pense que ce serait bien que des fois, on se pose un peu la question, puis on se dit, mais ce serait bien d'un peu apprendre les techniques d'avant et tout ça.
Also die auch halt, alt. Ja. Pour peut-être réussir à survivre s'il y a quelque chose. Ein Geisterkäse oder so. Ja, vielleicht. Ja, ist ziemlich ein kleiner oder Schafe oder so. Schön. Das ist irgendwie ja. Lithografischer Druck und mhm. irgendwie koloriert. Ja. Die finde ich ganz speziell schön. Mhm. Ja. Ich muss da auch ein Fass so für die Ziegen haben. Mit der Stabsdrei. Ja. Ja. Hey. Darf ich trinken? Ja. So, das war das Ziel der Reise und jetzt hat er schon einen Vorgeschmack. Genau, ja. Wenn das Wetter mit uns ist. Pour moi, chaque étape maintenant, c'est une victoire. Et je ne prends plus que la victoire, c'est quand on sera au Grand Saint-Bernard. La victoire, c'est bah, chaque soir qu'on arrive et qu'on a trouvé une petite écurie. Et puis, c'est cool. Non, il faut prendre comme ça et puis se dire qu'on arrivera, on arrivera. Et puis voilà. J'ai l'impression que ce trekking, c'était un peu une fuite, finalement. Une fuite des humains, dire que je suis super forte, loin des humains, et que j'ai pas besoin d'eux. Quand j'étais à l'école, bah, comme j'avais déjà expliqué, j'étais assez harcelée et tout ça. Et puis j'ai vécu des durs. C'était vraiment une période très spéciale et j'en pouvais plus quoi. J'étais tout le temps en pleurs et j'étais juste au bout. Et j'ai eu une période où je dormais avec le couteau suisse toujours dans mon lit ouvert pour au cas où je voulais passer à l'acte, je pouvais. Et là, je pense c'est un message des esprits pour dire il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont là pour faire du bien aussi et qui sont là pour aider et tout ça. Et je pense c'est un message assez fort là que je reprends pour mettre les pieds à terre un petit peu puis dire. Regarde, il n'y a pas que des gens qui se font du mal. Et puis ça, je pense, c'est une bonne leçon de vie aussi. Oui, viens. Vas-y, Val. C'est bien, mon grand. C'est bien. Viens. Je suis Bilou. Non, je suis mon grand. Viens. Ce matin, c'est dur parce que ils ont perdu énormément de poids pendant la nuit. Et puis, enfin, ça fait. Ils n'arrivent pas à remonter la pente malgré le fait qu'on dorme dedans et au chaud et avec du foin. Et puis, bah, s'ils ne mangent pas, ça veut dire aussi la fin de l'aventure pour cette année. Puis, du coup, ouais, c'est un peu dur. Ouais. Et puis, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils perdent du poids non plus. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Parce qu'ils ont du foin à libre service et tout ça, une quantité plus que suffisante. Et aussi de l'huile et tout ça dans la nourriture, et puis ça fonctionne pas. Et puis bah, avec des chèvres comme ça, ça vient aussi du respect pour eux, de décider de dire non aussi. Donc là, on va faire une étape encore, voir comment ça va. Et puis si demain matin, ils n'auront pas repris du poids après l'étape, je pense qu'on va décider de dire stop. Aussi pour leur respect à eux. Donc voilà. Ouais. Mais j'arrive les filles. Oui, oui, je suis là les gars. Émotionnellement, c'est un peu l'ascenseur. Puis les chèvres, elles ont besoin de se sentir protégées. Alors on va trouver des endroits chaque fois. Et puis comme ça, on rencontre des gens. Oui,
Ah, moi aussi. Ah, cool. Hier ist eine grosse Stallung. Hier, eine grosse. Vielleicht hier. So. Ja, der Talpa ist ja. Ah, so. Si tout le monde était comme les gens que j'ai croisés pendant le trekking, oui, j'aurais beaucoup d'espoir. Mais je sais que là, on tombe un peu sur des perles qui ouvrent leur cœur et tout ça grâce à un autre voyage. C'est trop beau, c'est nickel. Merci. Donc on verra aujourd'hui si on va aller jusqu'à l'alpage qui est là-haut, si c'est possible d'y dormir ou pas. J'espère, parce que cette nuit, il faut qu'on trouve absolument un abri parce qu'il va l'annoncer 10 mm de pluie, donc voilà. Et merde. Sie sind uns hier, da oben, Frau. Vielen Dank, bis nachher. Ich hoffe. Et là, sinon, je peux pas rentrer. J'ai toujours été poussée un petit peu à aller en avant et être autonome. Ouais. J'en suis reconnaissante pour tout ça, mes parents m'ont donné ça. Mais ouais, c'était hard, quoi. Ils étaient super durs, quoi. Et puis là, ça remonte un peu les images, et puis... Ouais. Je sais pas s'ils se rendraient mon compte, en fait, des fois, comme j'ai vécu. C'était pas un trekking, finalement, c'était un voyage initiatique. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la porte pour prendre mon envol, en fait. Bravo les bijoux ! Bravo ! On l'a fait, ce foutu Maïdan !